est responsable d'équipe chez Enedis. Grâce à cette imprimante 3D, depuis chez lui, il fabrique des visières de protection contre le coronavirus. Moi, je récupère au bout d'à peu près une heure et demie le serre-tête, en fait, ce qui fait la base de la visière. Et ensuite, je reprends des feuilles plastifiées qu'on utilise pour faire des reliures. J'effectue les trous et là, en fait, ça réalise la visière dans sa globalité. Une fois terminée, les visières sont distribuées gratuitement aux professionnels de santé. Ah, génial! Comme ici, à la mairie du 17e arrondissement de Paris, où un centre de dépistage destiné au personnel soignant a été mis en place. Il peut y avoir un besoin notamment pour les professionnels qui sont les plus exposés, c'est-à-dire ceux qui travaillent vraiment au plus près des patients, ceux qui font d'abord de temps en temps aussi des prélèvements. On le voit ici avec nos amis médecins et pharmaciens biologistes. Depuis l'annonce du confinement, Enedis s'organise pour garantir la continuité de services publics de distribution d'électricité. En parallèle, des équipes bénévoles fabriquent ces visières, moins efficaces que les masques. Elles permettent tout de même de se protéger des gouttelettes et des postillons.